Les PBE. Non, par contre, j'en ai marre de trucs Slaughterdogs là. Ah oh, putain, ça bug? C'est le PBE ou c'est moi qui bug? Allez, Paris! Allô? C'est le PBE, ok, très bien. Je peux plus bouger là. Ah, c'est pas moi, c'est le PBE. Allez, Paris! Quelle idée d'habiter à Paris et de supporter l'OM, la dissonance mentale, quoi. Mec, c'est complètement con, j'habite à Paris depuis seulement 7 ans. Je crois que c'est l'heure de League of Legends du coup là. Pas de choix, hein. C'est l'heure de la Ranked Rumble. Je crois. Non, mais là, c'est crash de chez crash, là, on est d'accord là, non? On est d'accord qu'il y a zéro bug sur le stream. Ta 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 ta. Zéro. Après, il y a des games sur le PBE qui plantent en vrai. En théorie, je pense que je peux déco-reco et que ça peut potentiellement marcher quoi. On teste. Ah, merci beaucoup d'être squirrel en tout cas. Ta-da-ti-da-ta. Tu peux habiter à Paris et en avoir rien à foutre du foot. Bah, c'est normal quand t'as une équipe à Paris qui est pas ouf, c'est normal de pas s'intéresser au foot quoi, tu vois, je pense. C'est tout à fait normal. C'est ça même de pas s'intéresser au foot quand t'habites à Paris, je pense. C'est bon, ça marche. Fallait juste déco-reco. Entendre les failles sur stream, tant que ça compte comme un bug. Franchement, oui. 100% un bug en vrai. C'est pas naturel, quoi, clairement. J'ai un arc, c'est une game Azir. Hein. Un arc, c'est 100% une game Azir en vrai. Je pense que je peux faire 10 gold. Mais bon, on va tout acheter pour essayer de voir où est-ce qu'on trouve des upgrades et essayer de jouer la direction avec les upgrades en vrai. Attends, y'a des champions là, qu'est-ce que je vends? Je vends TF et Naafiri, je pense. Je vais garder les one cost. Ah, j'ai une Nico! Ok. L'escorte. T'as grossi du micro? Oh, ça fait au moins 6 mois que j'ai changé de bonnet de Jordi. Hein. Voire un an même. Ça c'est fort pour jouer Colosse ou pour jouer Yonia ça. Prendre ça je pense. Ça rend très très fort ça je trouve. Après j'aurais pu checker la case aussi. Elle fait quoi cette case déjà? First time and per champion, ils ont laissé 20% AP. Ice, de ban, 100%. C'est fort pour Nico ça. Qui devient gênant. J'ai pas beaucoup d'items par contre. En fait, la spa de Colosse est vraiment trop broken, je trouve. Genre, si Colosse c'est trop fort là actuellement. Peut-être la meilleure synergie, même, je dirais. J'ai des chantes. Et bon, au final, les Colosses, dans la très très vite 4. Un gros ceinture. Ah, j'ai la ref. Je connais la version. Pictolite évidemment. Rip. C'est fort ça aussi en vrai. En vrai, Slayer c'est super fort. Pourquoi il a Piltover mais sans le. Pourquoi t'as pas le Dino, Melka? Tu vas rentrer trop tard? T'as mis la spat alors que le fight avait déjà commencé? J'avais une dingue. Non, j'étais chanteur.
Pourquoi ça va lancer une combo de Frodan? Putain, mais j'en remets pas que Frodan il joue à. Je m'y fais pas en fait. M'embête trop Hearthstone. Il caste ou pas les compètes inter Frodan? J'ai pensé qu'il y a un Slayer là en fait. Après mon step il est bien aussi mais. Après j'ai envie d'entrer la spade colosse en fait. C'est vrai que la spade Slayer c'est un banger aussi du coup. De toute façon en vrai jusqu'au chaos on peut chill un peu là. Après j'ai Azir, là vous savez, alors ça va faire bizarre mais l'item OP sur Azir c'est l'Ozroth maintenant. Parce qu'évidemment c'est la dent du Nashor maintenant l'Ozroth. Ça a changé, va falloir s'y faire hein. Il y a tellement plus d'items maintenant que ça force à s'habituer un petit peu quoi je veux dire. Oui bien sûr. C'est pas corrigé ça en vrai, ils ont dû corriger, c'est trop chiant ça en vrai. Moi je vais sur les PV comme j'ai perdu les points de vie en vrai. Je trouve que n'importe qui a perdu les points. Ah putain non, j'avoue qu'il y a Melka qui joue Piltover, je vais pas aller sur les PV du coup. je viens de voir ta vidéo avec le gourou Julien Lepers. Ah grande vidéo. Grande vidéo. Non mais j'avoue on va pas aller sur les points de vie pour donner des points de vie à Melka, ça dégoûte en vrai. T'as l'écho d'un étudiant hipster. Pourquoi ils ont pas de thunes les étudiants hipsters? Terrible. Finalement j'ai presque envie de jouer Slayer voyez-vous. C'est qui le quatrième Slayer déjà? Pardon je suis perdu. Slayer. Ah c'est Queen. Non ouais Slayer c'est un banger en vrai non? Ah je crois que j'ai changé de plan le chat je crois. Ah le bench est fou ça. Ah mais du coup il y a un tome des emblèmes. Ouais non j'aurais peut-être pu attendre de voir le tome quand même avant. C'est vrai. Sinon j'utilise pas pour l'instant sinon. La Swisper c'est un bête d'item sur Queen en vrai. Mais du coup tu peux jouer 4 Slayer avec des bruiseurs quoi du coup. Moi j'aime bien le chemin qu'ils ont fait à Slayer là. C'est vraiment très positif je trouve. Ok ça je veux jouer. Vaille en vrai on veut jouer aussi non? En fait je vais virer ce que je veux pas jouer. Kiana je pense qu'on joue que si on a besoin de 6 layers sinon on joue pas je pense. Je sais pas trop. Vaille. Je rentrais Kayle déjà je pense. Si on perd c'est ok tiens en vrai là. En fait faudrait que j'arrive à avoir 4 En fait je suis dans un bon setup là, on pourrait ouvrir le tome dès maintenant en fait je pense. Mais faudrait que j'arrive à avoir 4 Slayer. Non faudrait que j'arrive à avoir une spade Slayer et une spade Bruiser. Comme ça je peux jouer 6 Bruiser, 6 Slayer comme ça. Ou pas, ça rentre ou pas? Je suis pas sûr que ça rentre. Ça fait chier de gagner un fight en fait. Non mais là on est d'accord que si j'utilise le tome le chat, on est d'accord que j'aurai forcément la spat Slayer ou la spat Brawler, on est d'accord. C'est obligé. Genre c'est du 100% quoi. C'est juste du... Oh j'ai Queen. Oh le banger, attendez je vais attendre un tour du coup encore. C'est mort que je suis dans cette compo. Nope, je vais reroll Kiana et Rek'Sai en fait. Donc je vais stuff Rek'Sai et Kiana. Oh une spat. Mais du coup on veut pas spat, on veut pas slam la spat Slayer. Dedge. Bah, du coup la spat est vachement moins intéressante que ce que ça aurait pu être malheureusement. Allez Paris. Ouais merci beaucoup Yatomenis. Oh Yatomenis. Ok IE pour Queen.
Quoi de neuf? C'est up sur les lives. Non, ça sort dans une semaine, mon cher Yatomedis. Merci beaucoup pour l'abonnement. Allez, les amis, il manque qu'un seul sub. Et on change le son de sub. Allez, Paris, complètement dégueulasse. Le son de sub de la honte, comme on l'appelle. Ah non, j'aime bien ce son de sub. Ah ouais, mais après c'est terminé. On va l'attendre encore une fois, après c'est fini, après. C'est le son de sub de la honte. Mais du coup on peut jouer des massives facilement dans la compo, non? C'est ça en fait, Queen elle aura Deathblade avec Demacia du coup, Deathblade Radiante. En gros il faut un Jarvan parce qu'on va jouer Kayle, Queen. Et du coup Jarvan pour stratégiste. Faut attendre que le compteur baisse un peu. Ouais mais là il va mettre du temps à baisser, s'il n'y a plus de sub pendant une semaine, c'est terminé quoi. C'est une fin de carrière quoi. Pas mal BF en vrai. Oh trop fort. Eh hey, merci Sartois. C'est le dernier. Paris. Et voilà. Bon, je vais attendre que 340 apparaissent pour pas qu'il y ait de contestation, mais c'est trop fort ça je pense. Donc là j'aurai une Spat Slayer prochaine parce qu'on joue avec Serpentine River. Je mettrai ça je pense. Salut Wardless, tu vas bien mec? Je suis de bonne humeur aujourd'hui. J'espère que ça va durer. En général ça va, en général. Allez, merci beaucoup JCSTW. Merci beaucoup pour les 39 mois d'abonnement. Merci beaucoup. Ok, bon, lui il est très fort. Là on va avoir une grosse power spike. Donc si on arrive à un spot Slayer, c'est-à-dire qu'on pourrait direct être en 6 Slayer. Kayle, trop bien. Donc là on a notre spot Slayer. Que je peux donner pour l'instant à Poppy, peu importe. Ou à Shogat. Je rentre des massifs. Après pour le top c'est mieux ça. Enfin, autant l'utiliser maintenant du coup en vrai. Fuck. Je prends une stratégie, ça sert pas pour l'instant mais ça va servir après en vrai. Par contre on va quand même jouer Kiana du coup tout au long de la game. Voilà, la Queen est très forte. Mais oui, Brawler aurait été mieux et Slayer aurait été encore mieux aussi. Hein. Évidemment. C'est trop fort, Queen. Elle a fait 6300 dégâts, elle est que 1. Après, elle a 3 items, dont un radiant, c'est sûr. Bonne journée au moins, elle risque pas d'être gâchée par l'OM. C'est vrai, c'est vrai. C'est l'avantage de la trame internationale, tu vois. C'est que. On se sent vide, mais on se sent pas vide et complètement baisé, quoi, tu vois. Alors, si je me dis, ça rentre grave dans ma compo en vrai. Ah, c'est sèche, hein. En vrai, j'ai envie de donner une Titan à Rek'Sai, la Rakai, non, en plus. Après, Sterak, c'est devenu tellement bien comme item sur les persos au front, c'est devenu mieux que Titan, je pense. Ça doit se jouer reroll. On va essayer de jouer Queen reroll là, justement. C'était le projet. En fait, on va essayer de faire Queen et Rek'Sai 3 si vous voulez là. Mais faut qu'on soit 7 pour le reroll. Je me dis le top à l'inventaire de mon trait à gauche, mais je suppose que tu sais. Ouais, merci, oui. Merci, mon bro. Ouais, c'est-à-dire que tant que t'es pas level 8, tu peux pas avoir. 4 Slayer, 4 Bruiser et avoir Demacia aussi quoi. C'est chiant ouais. Alors que Demacia ça paraît être vraiment la prio limite quoi. Tellement fort hein, là pour le stop.
En théorie, on joue pas Shogat. Hein. En théorie, Shogat sort pour Sion, en théorie. Mais bon, faut encore avoir Sion, et comme on va plutôt roll au 7. Après, en vrai, ouais, si on va quand même la reroll au 7, je pense. Surtout que là, nous, on a une. Après, le reroll au 8 permet de rentrer Demacia plus 6 layers directement, quand même, quoi. Ouais, non, en vrai, le reroll au 8 m'a l'air mieux. En fait, il faut juste qu'au 7, on trouve Kiana. Au 7, pour qu'on trouve Kiana 2. Ça va le faire en vrai. Ok, encore un fight à Chillax. Alors évidemment, y a pas moyen d'entrer Freljord là pour le coup. Hein. Y'a vraiment pas moyen là. Ça rentre vraiment pas quoi. Alors on veut Rek'Sai, on veut Vi. Je pense qu'on va tracer 8 direct. Enfin non, on fait quand même Kiana 2. Donc là on va faire Titan, tête BT. On s'en branle, y'a pas de Yogalo dans ma compo là je pense hein. Tu fais gagner 4 expériences sur 4 gold. Oh la dingue, oh là là, les conseils légendaires du chat quoi. Ah les conseils de légende quoi. Ah les items ils sont pas bien du tout par contre. Je vais faire une Sunfire quand même. So bad les items quoi. En vrai le Zephyr maintenant ça donne du cassage d'armure mais en même temps j'ai déjà un Last Whisper donc c'est pas ouf quoi. Faudrait qu'on ait Kiana 2 là. Queen 2. Ok, j'ai trouvé un mort de Kaiser, ça change le plan ou pas? En fait, ça change forcément le setup quoi. En gros, le plus fort c'est passer direct en 6 layers, j'imagine du coup. Probablement. Est-ce que je fais quand même un Event Shroud? En vrai, c'est fine pour Rek'Sai quand même dans tous les cas, anyway. Shurima, on s'en tape et pas Shurima. En fait, là je pense qu'il faut qu'on passe en. Attends, est-ce que je peux avoir 6 layers? Non, c'est vrai qu'on doit jouer que 2 brawlers du coup. Donc Rek'Sai, c'est Juani. En sachant que Mordekaiser n'est pas du tout un tank évidemment, bien sûr. Par contre, j'ai pas trouvé Queen 2. Par contre, les dégâts de Queen ils sont trop stylax, mais là ça va pas suffire vu qu'elle est que 1 quoi. Mais elle fait des dégâts de zinzin alors qu'elle est que 1 quoi. Non. Queen, d'ailleurs, je tiens à dire que les gens qui jouent Queen top lane sur LoL méritent de. Voilà quoi. Je vais pas le dire parce que voilà quoi, vous voyez ce que je veux dire. Finalement, le top est peut-être pas mal pour moi dans cette compo là. Ah, cette chanson elle est ultra top tier aussi en vrai. Mais nous, bah, Kiana 2 au secours! Ça fait chier de virer Vi, mais en même temps. C'est mon level 8 du coup. Mais en même temps, je suis obligé de garder Demacia parce que sinon elle perd sa Deathblade, elle a plus de dégâts l'autre con quoi. Pardon, excusez-moi.
Ouais, non, mais là il faut juste queen en fait. Non, Jarvan serait bien aussi. Là, c'est juste la queen qui passe pas 2 qui est insoutenable quoi, genre. Mais j'ai un Rek'Sai 3 avant d'avoir queen 2. Pardon. Non, par contre, non, mais je trouve aucun item pour ce trou du cul de Rek'Sai. C'est une femme, non, Rek'Sai, non? Pour cette connasse, pardon. Ah, oh, c'est insoutenable ce qui se passe, le chat. Ah, oh, c'est vraiment insoutenable ce qui est en train de se passer là. Ce qui est en train de se passer est absolument insoutenable, les amis. Et en fait, Kana elle dégage pour Aatrox plus tard. Parce que Kana il reste forcément pour Demacia quoi. Non, j'ai pas trouvé Jarvan non plus qui me permettrait d'avoir stratégiste. C'est vraiment un buff cette chanson. Ouais, bah ça va pas buff Mero alors. Si Rek'Sai, en vrai j'en ai masse, mais elle a pas de stuff. Mais j'en ai masse des Rek'Sai de ses morts en vrai. Elle danse en rythme avec la musique. Ah oui, c'est le vote. Donc 8 gold, 8 points de vie ou la mystery box. Moi je vais sur les points de vie. Non, je vais sur la mystery box, vas-y, allez. Allez, on est là pour le beau jeu, le beau geste. On est là pour le beau jeu, le beau geste uniquement. Donc il y avait... Oh, une deuxième spat. Oh là. Attendez, mais c'est champagne ça en vrai. C'est champagne sur les ars. Bon bah du coup, voilà, j'allais chercher avec Rek'Sai 3 ou Jarvan, j'allais dire, je vois Rek'Sai. Mais c'est quoi ces trucs de... Ah, il y a jamais d'épée. Il y a jamais d'épée. Je rage pas, j'explique. Et alors pour Jarvan apparemment on peut aller se faire foutre hein. Pourquoi y'a Kiana? Bah pour Slayer. A ton avis. My bad, je suis con. Ah, j'aurais pas dit ça. J'aurais pas dit ça non plus quoi, j'aurais pas été jusque là honnêtement. C'est bon pour ton cœur, t'es arrivé comme ça. C'est vrai. Tu m'as manqué tant que les vacances étaient bien longues. T'étais où en vacances, Jambon First? À Bayonne. Et alors, c'était sympa ou? C'est sympa le manteau de Rek'Sai. Ah, c'est mort. Moi je veux une IE sur Rek'Sai. Voir une Hoge en vrai. Mais pas une QSS de mort là. Bon après on est pas censé avoir autant de spats hein, là j'ai quand même. Après la spat stratégie sert à rien on va dire donc. Par contre la spat bruiser et slayer sont excellentes. Tu bouffes, tu bois et tu te baignes. C'est vrai que c'est un bon programme effectivement. Attends, je vais faire 30 parce qu'on veut Aatrox à la place de Kiana en vrai. C'est vrai que dit comme ça, ça paraît être un très bon programme, camarade. Après, voilà, là j'ai une folle aussi en plus. Hein. Bon, après, ce qu'on a, on peut l'avoir au level 8. Et en parlant de Bayonne, vendredi, début de la Coupe du Monde de rugby. Légendaire en vrai. Ça, c'est un vrai banger ça. Cette musique elle est légendaire aussi, j'avoue. California. Ah bah, je sens là les épées enfin quoi. Tu le mets où le match? Le problème c'est qu'on a un event ce week-end. Du coup, je pense que je vais installer jusqu'à au moins 19h30, 20h. Du coup, je vais le regarder chez moi. Je pense que j'aurai pas le temps d'aller dans un bar
Si on jouait dans un bar, mais j'aurais pas le temps d'y aller, je pense. Malheureusement. Mais il va y avoir une sacrée ambiance, hein. Non, parce que l'ambiance bar pendant les matchs de rugby, croyez-moi, c'est pas l'ambiance bar pendant les Coupes du Monde, pendant les matchs de foot, hein. C'est encore autre chose, quoi. C'est encore autre chose, quoi. Après, moi, je suis traumatisé par les Coupes du Monde de rugby, en vrai. Hein. Beaucoup plus que par les Coupes du Monde de foot. Même si j'avoue que le France-Italie en 2006, il était traumatisant, mais... C'est quoi ça, Jordi? Do you want my autograph? Bah du coup, je pense que je rentre, la compo elle est full de chez full, là. C'est un silco, non? Hey. Na 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 na. Na 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 na. This is a massive play. Non mais Jarvan over Poppy, j'ai pas trouvé de Jarvan. Tu es du pain ou quoi? Ah ouais, je vais rentrer Freelord, mais j'ai déjà des Last Whisper à la con et tout. Après, en vrai, là, c'est juste parti en couille complet au niveau des spats cette game. En vrai, t'es pas censé avoir autant de place pour, tes, pour la compo, tu vois. Là. Je suis pas loc pour la Harry, j'en veux pas en vrai de Harry, quoi. Non, mais en vrai, c'est stratégie, je pense, en vrai. Je pense qu'on va essayer de rentrer, genre Azir, Jarvan. Enfin, Jarvan, c'est déjà prévu, mais. Azir, c'est Fitzgood, en vrai, je pense. La ciudad se llama Nuevo México Estado. Mais y'a vraiment pas de Jarvan, hein, tuez-moi s'il vous plaît, quoi. Bon, j'ai lock pour Sage en vrai. Nueva droga. A creado. Non mais Rek'Sai Sea Slayer ça... Mais what? Non mais Rek'Sai Sea Slayer quand ça fait des crits, ça fait des crits en dégâts bruts à 1006 quoi. Même à 4000 elle a fait des crits. D'accord. Bon Rek'Sai ça a l'air pas mal en vrai quand même je pense hein. Ça a l'air sympathique quoi. Oh Aatrox. Aatrox pour nous c'est le banger absolu je pense. Ah, toujours pas de Jarvan, mais bon, on est patient. Je sais pas si Rek'Sai 3 va suffire pour gagner tout seul ou s'il faut aussi Queen 3. Après, ça dépend des lobbies, hein, vous allez me dire, hein, évidemment, mais. Bah Rek'Sai il est resté CC pendant 20 minutes je veux crever quoi. Surtout sur le life en face. Putain bah Rek'Sai il a pas pu taper du fight quoi. Fuck. C'est pas pour autant que j'allais faire une QSS dessus mais bon. Non par contre le Jarvan non c'est... Ah bah merci quand même bordel. Non mais en vrai ça change tellement de choses. Genre c'est 1 milliard, c'est à peu près 1 milliard de fois plus fort selon mes derniers calculs. C'est beaucoup 1 milliard de fois plus fort quand même vous trouvez pas? C'est 1 milliard de fois plus fort précisément même. Ah j'ai Azir en vrai. C'est mieux qu'MF mais j'ai pas les moyens de l'acheter quoi. Et en vrai MF ça fait de l'anti-heal au moins pour le coup. C'est pas si mal. Yadel Kaltel. J'ai trop hâte qu'il sorte sur le live en vrai. Ce 7-6 je monte Chal. Pour m'échauffer avant le 7-10.
Allez Queen. Regardez-moi la belle ligne là. Mais bon, comme elle est pas 3. Mais bon, elle prépare le terrain pour Rek'Sai la racaille. Parce que dès qu'il tape avec 60% de... moins de 66% PV les adversaires, je rappelle qu'ils font des dégâts boostés. Hein. Ah, je perds. Oh, ça dégoûte. Bon, top 4. Voilà, on a eu Rek'Sai, mais on a jamais trouvé Queen. Je pense que Queen est beaucoup plus importante quand même au final. Ça reste le carry principal. Surtout qu'elle a un item radiant avec la Deathblade.